Midi haut. Midi haut, le machin là. C'est vrai, c'est peut-être mi, je sais pas. Bon, je vais dire bonsoir. Non, bonjour à tous. On est dimanche et il fait pas beau. Il a fait bon ce matin et puis là, il y a même pas 5 minutes, là, ça se met à pleuvoir. Mais bien, bien comme il faut. Mais bon, ça va, il fait pas froid. Et puis, je sais pas combien de degrés. Je crois 20, mais bon, il pleut quoi. Par contre, la semaine prochaine, il fait beau. Je crois à partir de demain, je crois. À partir de demain, toute la semaine, il va. Vous avez le cucu de Blacko qui passe. Il va faire du 20, 21, 22, même du 24. Voilà, voilà, c'est du n'importe quoi. C'est pas grave. Tant qu'il pleut pas, c'est principal. Petite course à Carrefour City pour être tranquille demain. Comme ça, demain, normalement, demain, j'aurai pas besoin de faire les courses. Donc j'ai pris, comme d'hab, hein, ça change pas, de l'épart, voilà, 1 litre. Je lui ai repris du Fanta Orange, 1,5 litre, non, 1,25 litre. Voilà, comme ça c'est fait. Du Coca-Cola sans sucre et sans caféine, 1,5 litre aussi. Voilà. Ouf. J'en ai pris une deuxième. Comme ça, c'est fait. Voilà. J'ai pris 1 litre de lait. Demi-crémé, 1 litre. Alors, sachez qu'en brique, ils sont beaucoup plus chers qu'en bouteille. Ça, j'ai payé 1 €. Et quand tu prends une bouteille comme ça en plastique, eh ben, tu payes pas en petit, hein, mais en plus grand, tu payes beaucoup moins cher. Alors, je sais que les bouteilles comme ça, quand je prends. Et ils sont à entre 75 et 95 centimes. Et par contre, en brique, tu payes 1 €. Donc à mon avis, tu dois payer le carton du lait. Tu payes pas le lait, c'est le carton que tu payes. Mais bon, ça fait quand même un petit peu cher le lait pour ce que. Voilà. Et du coup, bah, j'en ai repris un bébé. J'ai repris un bébé. C'est 50 centilitres, je crois. Ouais, c'est ça. Donc ça fait 1,5 litre. J'ai pris du boulgour, c'est la première fois que j'en prends. C'est la marque Pirate Tipiak, la petite mamie qu'on voit très rarement à la télé. Donc c'est un peu comme, normalement c'est un peu comme le riz quoi. On m'a dit c'est un peu comme le riz, et, enfin plus comme du blé que comme du riz. Je sais, j'ai pris ça parce que. Quand souvent on prend des grecs en assiette, bah ils nous mettent ça, ils nous mettent du boulgour, ils mettent du boulgour, du blé, un petit peu maïs, du blé, ah, je vois rien, du blé, de la salade, des tomates avec la viande et tout ça. Et bah je voulais tester, voilà, pour une fois je voulais tester, je voulais faire ça comme je sais qu'à Rungis Market. À côté de mon travail, c'est que des trucs halal et tout ça. Et j'avais déjà pris un gros paquet de viande de kebab. Donc tu l'as nature et tu l'as la provençale. C'est entre 5 à 8 € je crois, un truc paquet. Donc je connais ça, je connais. Je voulais faire cette petite recette du boulgour avec, avec la viande de kebab. Mais je vais pas le faire nature, je vais rajouter des ingrédients dedans. Ils mettent des petites recettes, mais voilà, c'est pas trop mon délire. C'est pas trop mon délire. C'est vrai, ils mettent une recette avec du boulgour, des tomates, des pommes, des haricots rouges, du fromage et des brocolis. Donc il y a plus de la moitié des choses que j'aime pas, et même de la grenade. Donc c'est une petite recette. Ils appellent ça boule vitamine, vitalité pour 2 personnes. Donc moi je suis pas très ça. Donc moi je le fais à ma façon, je mets vraiment des produits que j'aime bien. Et voilà.
Donc ça sera une nouvelle petite recette que je vais faire avec du boulgour. Ça sera la première fois de ma vie que je fais. Ah oui, il y a même une salade, une entrée salade avec du boulgour. Donc c'est avec du boulgour, des tomates, des cubes de fromage et du jambon. On peut manger soit froid ou soit chaud. Donc voilà, ça vous... Et comme moi je vais manger chaud. Donc ils disent profiter à ébullition de l'eau, tomber de l'eau, verser un verre une fois que l'eau a la bouillotte, mélanger et laisser contre feu 10 minutes à 12. Pour un résultat confort, égoutté et servi comme un noix de beurre. Ouais, c'est un peu, ouais, c'est comme je dis, hein, c'est comme du riz, quoi. Tu fais cuire ça comme du riz. Mais c'est la marque Tipiak, hein. C'est Tipiak qui fait ça. Donc, ouais, voilà. Donc, on va tester ça cette semaine. Voilà. Comme je dis, c'est la première fois. Ensuite, pour ce soir. Des pommes de terre, la salle ardaise, qu'ils ont augmenté. Il était à je sais plus combien, t'as dit 2 euros ou 1 euro. Et maintenant, ils sont à 3 euros des poussières. Ils ont vachement augmenté. Ils sont très bonnes, parce que c'est à base de graisse de canard. Et tu fais ça soit à la poêle ou au four. C'est pour ça que je vais pas les mettre en congélateur. Je vais les laisser carrément au frigo comme ça. Que ça soit pas trop dur. Et ils sont très très bons. Ça fait 2-3 fois qu'on en prend. Et franchement, moi j'aime bien. C'est vrai que le poulet, ça va être impeccable. Donc c'est 600 grammes. C'est 600 grammes le bordel. Et encore bébé qui passe avec le cucu. Avec le cucu à l'air. Oh mon bébé d'amour. Mon petit bébé d'amour. Donc voilà. Donc voilà, c'est des petites coupes. Course, on en est à combien? 7 minutes 20. Quoi d'autre? Bah, j'espère que vous passez un très très bon dimanche depuis hier soir. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée avec nous sur le live. Et dites-nous qu'est-ce que vous faites de beau aujourd'hui, hein, en commentaire. Que vous allez faire de bon à manger. Et puis voilà, voilà quoi. Y a pas... Donc je vais vous faire une autre petite vidéo pour on va arranger un petit peu le petit haut là. Parce que moi j'ai mis ça comme un paquet de merde. Comme, bah, comme nous les hommes, hein, des fois on a tendance à pas ranger. On met ça comme ça là. Enfin, pour nous c'est rangé, mais voilà, pour eux les femmes c'est... Ah, c'est le bordel! Alors que les autres trucs qui sont tout bien rangés, tout propre, et tu regardes en haut, c'est un petit peu de fouillis. Voilà, donc on va ranger correctement les chips, correct, machin. On va voir qu'est-ce qu'on peut mettre dans les boîtes. Donc voilà, comme ça fera un petit peu, en vidéo, ça fera un petit peu plus propre. Voilà. Après, on va dire, ah, la cuisine, c'est dégueulasse. Hein. Ensuite, ah oui, j'ai oublié là. Faut que je fasse attention au micro. Donc on a reçu une petite carte d'une abonnée, c'est de André. Donc vous la connaissez, hein, bien souvent sur le live. Puis même en tant qu'abonné, vous la connaissez. C'est une youtubeuse, elle a une chaîne. Et puis c'est une youtubeuse aussi, elle a une chaîne. Ça fait un choix, j'avais été à un moment donné pour rattraper tous mes retards. Et je ne suis pas retourné depuis, il faudra que je retourne pour... Mais c'est pas mal ce café, hein. C'est des petites vidéos vraiment sympathiques avec de la musique, de la nature et tout. C'est pas mal, j'aime bien ce café, c'est sympa. Donc c'est André. Donc si vous la cherchez sur YouTube, c'est ça son truc, c'est André. Hein. Voilà, c'est le même pseudo qu'elle a sur la chaîne YouTube. Tiens, vous mettez André, vous allez la trouver. Ouais, André 59 des poussières. Donc bien sûr je vous lis pas qu'est-ce qu'elle m'a écrit parce que voilà, c'est personnel. Voilà, c'est personnel. Donc je vais juste vous montrer la petite carte jolie qu'elle nous a envoyée de Lille. La deuxième petite carte. Ah non, la autre, c'était pour un anniversaire. Voilà.
une belle petite carte de l'île. Voilà. Donc ça, c'est pour André. Et des petits smileys. J'ai envoyé Marie-Laure, la future femme de Maouts. Voilà. Des petits smileys. Bon, il y a un petit mot derrière, pareil. C'est personnel. Voilà. C'est juste pour nous annoncer qu'on croit qu'on va recevoir bientôt un colis de sa part. Donc voilà, c'est tout. Donc voilà, merci, merci à toi Marie-Laure. Donc on a bien reçu ton petit mot. Et André, c'est pareil, on a bien reçu ta merveilleuse petite carte. Donc voilà. Donc il faut que je vais pas tarder aussi à faire ma vidéo de... Voilà, une petite vidéo pour mettre les mes petites cartes dans le dans mes albums. À part peut-être les cartes maintenant, je vais peut-être comme du fait c'est écrit derrière, donc c'est un petit peu chiant de les coller parce qu'on va voir que la carte, mais on verra pas ce qu'il y a écrit derrière. Enfin pour moi personnellement. Je crois que je les mets dans un truc protégé pour pas qu'ils soient abîmés. Je mettrai que des trucs genre anniversaire, dès qu'on est comme ça. Ouais, faut que je voie. Faut que je voie. Si en même temps je réfléchis, c'est rare, hein, les chauffis. Et moi ça ce compte temps. Maintenant il fait soleil. Mais il est con, ça n'aboutit ce temps, c'est pas vrai ça. Bon toi voisin, tu commences à me casser les bonbons, à fouiller, à regarder toujours par ici là. Genre je t'ai pas vu, bah ouais tu peux te cacher. Putain, qu'est-ce qui me saoule celui-là? Tout le temps en train de visionner devant. Il fait si je regarde dehors, puis en fin de compte, non, je regarde en face. Ah qu'est-ce que ça. En plus, c'est pas la première fois qu'on lui dit. Hein. Tu peux regarder par la semaine, mais sans arrêt, du matin au soir, c'est bon, ça vient souvent, quoi. C'est là, c'est même plus du regardage, c'est vraiment du vis-à-vis, quoi. Donc, voilà. Je veux dire, si on veut se mettre en torse nu ou machin, ou en slip, on peut pas que ce... On va dire, c'est abruti, quoi, parce que c'est... Il n'y a pas que nous, hein. Il y a eu aussi une voisine, aussi, pareil. Elle pouvait pas se mettre en petite tenue ou quoi que ce soit, il était sans arrêt en train de la mater... Donc c'est pareil, c'est un petit peu chiant quoi. C'est ça, quand les immeubles sont face à face, c'est compliqué parce que même parce que tu sens quand la personne te regarde, ou quand une personne regarde juste comme ça de temps en temps dehors, voilà, tu vas se mettre à la fenêtre, tu vas regarder dehors, tu vois, c'est, on voit quand c'est du vis-à-vis et on voit quand c'est pas, c'en est pas. Donc lui c'est sans arrêt du matin au soir. Sinon, bah voilà. Sinon, bah tout va bien. Tout va bien, tu finis bien. Donc, 13 minutes, c'est bon. C'est bon pour une petite vidéo de, voilà, de petites courses, de petites blabla. Ça ira très très bien. Donc, sur ce, si vous avez aimé cette petite vidéo, bah, n'oubliez pas de liker, partager. Commenter. Oh, tu sais, j'ai vu. D'un seul coup, j'ai un trou noir. Abonnez-vous. Ouais. Et je vous dis Ejda, je vous dis Kenavo, je vous dis Avindenzen. Et je vous fais de très très gros bisous. À très bientôt mes loulous. Ciao ciao. Et un petit coucou à tout le monde.